Les GG ont fait la fête. J'aurais préféré en fait. Et il a un peu les yeux de Charles Bronson ce matin à la marche. Henri Fonda, c'était le méchant. Vous savez que vos références, en fait, là, c'est même pas les moins de 20 ans. Là, on parle du chef-d'œuvre. Le Western Spaghetti. Là, on parle de Sergio Leone et de New Morricone. Là, c'est. Les amis, grand niveau. C'était donc. C'est sûr que ce n'est pas les influenceurs à Dubaï, mais c'est pas mal non plus. C'était donc la fête des GG hier sur RMC Story, sur RMC. De 21h à minuit, on devait faire 2h. Finalement, on a fait un peu plus. Légèrement débordé. On s'en doutait un peu. Ça déborde toujours avec les grandes gueules. Les grandes gueules étaient là. En public, merci à tous ceux qui sont venus assister à cette émission spéciale hier. Dans un décor magnifique. On peut revenir sur quelques chouettes séquences. C'est parti. Allez, on y va. Le président Jacques Maillot. Comment vas-tu, Jacques ? Jacques. Mieux que la France. Moi, j'ai quand même grandi avec vous. Quand je vous ai connu, j'étais toute petite. J'étais jeune députée. J'ai lu votre programme. Lequel ? Celui qui n'a pas marché. Et d'appliquer une politique depuis 150 ans qui est différente. J'applique une politique, moi, depuis 150 ans. Tu parles des écologistes. Les écologistes ou de moi ? Les écologistes. Il y a un jour, Claire Aupetit, qui était commerçante, appelait régulièrement, était particulièrement grande gueule au 32-16. Et un jour, on a dit à Claire... Tu vas venir. C'est pas tout à fait ça. Ah bon, l'essentiel, c'est de payer les actionnaires, payer les dividendes à Facebook, Tweet, machin, X et compagnie. Mais non, de trouver quelque chose, non, bah une non, fois, sinon, de positif. Mais non, jamais du négatif. Dans mais tout. Oui. Je suis un pessimiste congénital et même héréditaire. On nous a souvent reproché de verser dans la caricature, surtout Barbara Lefebvre et Karim Zeribi. J'entendais la dernière fois une journaliste qui disait « Oui, maintenant, si j'ai envie de me faire des tresses, j'ai pas le droit de me faire des tresses parce que c'est l'appropriation culturelle. » Elle le disait pas comme ça, je caricature. Ah vous, bon. Vous connaissez mon talent pour l'imitation. Une voix et l'imitation. Tu n'as pas progressé. Savez, non, exactement, mais comme ton humour. Tu vois, ouais, c'est il y a pareil. Des choses qui restent. Bien joué, bien joué. Le populisme, c'est peuple. Si le populisme, c'est donner la parole au peuple, si c'est faire émerger les idées en partant du peuple, à ce moment-là, c'est noble. Si c'est parler à la place du peuple, là, c'est malsain. On avait une émission, avant la Covid, où vous étiez présent. Oui, on avait du public. Et là, ce soir, vous êtes là de nouveau. Et si c'est ça, le populisme, ben, c'est vachement bien, quoi. Bravo. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci de nous accompagner. Vive les GG. Voilà, c'était un sacré bon moment qui a été ponctué. Alors, il y avait les discussions, il y avait les débats, ça nous a permis de retrouver certaines grandes gueules qui n'ont pas perdu, justement, ce côté GG, que ce soit Fatima Hidbounois ou... GG un jour, GG toujours. Claire Aupetit, bien sûr, Karim Zeribi, de les confronter à des nouvelles grandes gueules. Et puis, tout au long de la soirée, on a ponctué l'émission de l'élection de la GG de la soirée et des GG des 20 ans. Et là... Quand Didier Giraud s'est fait remettre son trophée, bah ça a donné ça. À vous de choisir. Soir, qui mérite le titre de GG de la soirée ? Eh bien, c'est Didier Giraud qui a gagné ! Ce soir, je prends conscience du chemin parcouru. Je dis souvent que 5 minutes avant d'arriver au Grand Gueule, je suis paysan. 5 minutes après, je suis paysan. Mais n'empêche que voilà, ce soir, revoir tout le monde, se retrouver deuxième... dans le classement des grandes gueules depuis 20 ans, c'est quelque chose qui me touche. Oui. Je suis plus que, le petit paysan syndicaliste. J'ai fait d'autres trucs dans ma vie maintenant. Et merci, public. Bah alors Didier. Non, mais je suis un émotif. Vous le saviez bien. Ouais. Et alors pourquoi cette émotion, explique-moi. Parce que il y a le côté, enfin tu vois, c'est ce que je dis toujours moi. Cette émission, c'est une parenthèse. Ma vie, elle est faite de la terre, des vaches et au quotidien. Et ce moment un peu enchanté où je deviens autre chose. Depuis 17 ans, sans m'en rendre compte, comme tout le monde, sans s'en rendre compte, voilà, ça fait 17 ans. Hier, j'ai pris conscience que c'était un truc important pour les gens, pour ceux que j'avais côtoyés au Grand Gueule, et de savoir que c'est le public qui a voté et qui m'amène au Rat de Charles, hein, parce que j'ai regardé les voix, je suis au Rat de Charles. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis rendu compte, par exemple, que je suis arrivé ici parce que j'ai été syndicaliste agricole. Et il y a bientôt le double de temps que je suis aux grandes gueules que le temps que j'ai été syndicaliste agricole. Donc voilà, c'était ça le chemin parcouru. J'ai eu un petit message
de Marie-Laure Ustache. Je lui souhaite le bonjour ce matin. Marie-Laure Ustache, c'était la chargée de communication à GIA National, qui était une copine à Sylvain Puech. Notre ancien producteur. Ouais. Voilà, ça, ouais. Et c'est elle qui m'a amené, elle est venue avec moi faire ma première émission, elle m'a fait un petit message ce matin, ça m'a encore plus touché parce que je me suis remémoré ce moment où je suis venu à ma première émission et il y avait tout ça dans l'émotion d'hier et se dire qu'aujourd'hui, il y a 17 ans, que toutes les grandes gueules qu'on a vues hier, je les ai vues arriver, repartir, je vois arriver les nouveaux qui me disent comment faut faire et machin. Voilà, c'était ça le moment d'émotion et j'ai vécu un beau moment hier et On peut faire le très humble en disant que c'est pas important la gratitude, le remerciement et la reconnaissance, mais moi ça m'a touché parce que quand on a de la reconnaissance pour toi, pour ce que tu fais, j'ai fait une petite publication à 2h du matin hier avec le trophée en disant que c'est vrai, il y a 16 ans que je suis au service de l'agriculture, du monde rural. Je me sens toujours investi d'une mission syndicale quand j'arrive au Grandiole. Et derrière ça, j'ai eu une multitude de messages qui me remerciaient, de gens que je connais peu, que je connais point, de gens qui sont mes opposants syndicaux dans le... Syndicaux même. Mes opposants syndicaux dans le syndicalisme qui agricole, qui me remerciaient pour mon action au Grandiole. Et ça, c'est des choses qui touchent vraiment. Bien sûr.